Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes Exebus et nous voilà repartis sur Shadow Empire pour la suite de nos aventures. On va l'attacher donc à notre gouverneur, notre nouvelle gouverneur. Voilà. En plus, elle nous aime bien, elle va avoir des bons bonus, elle est intelligente, donc c'est bien. En plus, elle est jeune, si j'ai pas de bêtises. Ouais, elle a 25 ans, donc elle va rester longtemps en poste. Il va falloir qu'on mette quelqu'un donc pour devenir notre ministre militaire. Les nomades sont encore en train de nous attaquer. 41. L'enforcement est limité parce qu'on a un gouvernement qui est assez ouf, mais on peut se permettre de remonter ça. Là, si on regarde dans le manager, alors on a acquis la bureaucratie State Companies. On a gagné technologie fascination, donc on va pouvoir bientôt gagner des technomages avec nous. Quiconque attaque les unités gagne 50% de pénalité à leurs attaques, c'est hyper fort pour se défendre. On a gagné la curiosité. Fluide défense. Infanterie artérique gagne 40% en défense. Mais les... D'accord, donc en gros, les mécanisés partent à l'attaque et les autres partent en défense. Il nous faut un conseil, je crois que c'est le truc intérieur, ou un staff conseil, c'est ça? Ouais, staff conseil. On a 9% pour avoir ça. Après, en fait, quand on valide, même si on change nos chiffres ici, ça, c'est des choses qu'on a acquises et on pourra quand même gagner les cartes. Donc, c'est important de travailler différents profils. Il nous faut un junior. On va voir ce qu'on nous a donné. Pas un gland, s'il vous plaît. Deux. 15, 25, 21, mais elle est jeune, elle est très jeune par contre. Non. J'en ai pas un autre? J'en ai pas d'autre. On augmente le danger d'une zone. On a une 3 fate points. Est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. Ça fait quoi? On augmente le moral de la... Ah non, on augmente le nombre de la population d'une ville. On n'a pas encore d'arène. Ça prête bien. Il va nous falloir de l'argent de toute façon, à un moment ou un autre. On a que des gros nazes, là. On a que des gros nazes. Elle est moins naze que l'autre, mais son intelligence très faible nous met vraiment au fond. Si on réorganise, elle prête quoi, elle? Elle prête pas être grand-chose, hein, c'est ça le problème. T'as 36 en intelligence. Toi, mec, tu pourrais monter, hein. Tu pourrais monter très vite, capacité 2. Après, il est... Ouais, non, il est vieux, il va bientôt mourir. J'ai pas envie de mettre lui. Le problème, c'est que pendant ça, on va perdre un tour de recherche. 28. On pourrait prendre notre secrétaire, en fait. On met notre secrétaire là-bas. Et on met elle à... Elle fait... Normalement, elle est pas censée faire du jet de dés. Je pense qu'on va faire ça. Better job. Augmenté par 4, donc il est content. Ça change rien pour ça. Toi. Cool. Non. Yes. Alors, c'est ça, c'est exactement ça que je veux. Lui, on va la pointer. C'est lui, mon secrétaire? On la pointe. Après, si on s'entend bien avec le syndicat du crime, on peut lui demander de nous assassiner des types. Du genre, on pourrait lui demander de nous assassiner lui. Gentiment. Ça pourrait avoir le coup. En plus, ça me permettrait de découvrir un peu les interactions avec le Godfather. Non, il va pas vouloir nous rencontrer encore. Coexistence. Ouais, ça va, c'est tellement dur tout ça.
Là, on gagnerait de l'argent. Tu dégages. No job, mec. Ouais, elle est passée secrétaire. Ça me va bien. L'autre, par contre, il doit me détester, mais tellement profondément. Notre relation naturelle, elle est à 48, 46. On va être obligé de composer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À partir de 10, on va avoir un nouveau parti politique. Mind Government. Sir, yes, sir. 1900 de crédit. Bah voilà. Bah voilà, tout simplement. D'un point de vue d'asset, construction. Putain, on n'est pas encore en level 2. La production, t'es en niveau 1, ça produit 50 et là ça monte à 200. Waouh! Ça permettrait d'augmenter la qualité de vie et surtout de la sécurité dans notre village. Ils vont faire une librairie. Nous faire une librairie. La Light Industry rend 2, ça c'est cool quand même. Encore. Ça va nous apporter de la... Ok, de la qualité de vie liée à l'éducation. Ça me va. 100. On consomme que 20, 40. On consomme que 40, donc on est quand même large sur l'énergie. 30, 50. On consomme que 50. On est à la moitié de notre prod. On produit pas à fond. On produit pas à fond, comment ça se fait? Ah putain, c'est vrai qu'il nous faut un... On vient de la nommer ce tour-ci, là, en gouverneur. Il faut un tour, je crois, pour se mettre en place. Absence de gouverneur en modifier. En fait, le truc, c'est que le gouverneur est censé booster même de 1%, quoi. En gros, il booste pas. Déjà, on perd 1% à cause de la logistique qui arrive pas jusqu'au bout. Ok. On va faire la route. Déjà, on va faire la route. Points industriels. Bah ouais. Voilà. Là, on est plutôt bien. Ce qu'il faut qu'on fasse. On va juste faire un petit point là-dessus. 99. Il en faut 100 ici. Je suppose qu'il en faut 100 ici aussi. Ouais. Il en faut 100 ici. Après, là, on est bon, je pense. Ça va le faire, on n'est pas obligé d'y toucher pour l'instant. Pas besoin d'y toucher. Par contre, il va falloir qu'on touche à ça. C'est construire. Il faut que je construise un truc qui augmente mes BP. Donc ça va être sûrement un High Command HQ. Ça consomme 40. Là, ça en consomme 10. Ça me donne un gros bonus, mais faut qu'on les utilise après les points. 4 tours, donc ça fait 400, on les a. Et ça fait 200. Tour prochain, on a les 50. Tour d'après, on aura produit ce qu'il faut, on sera à 160. On a 3 tours de prod, et après, il faudra attendre un tour de plus. On peut le faire, hein. Et en plus, ça augmente notre... La production de BP est quand même pas mal. Le 80, ça on l'a. Il va nous manquer du métal. Mais du genre, on a vraiment beaucoup d'argent.
On a fait une promesse. On va essayer de tenir la promesse. On va essayer de tenir la promesse. On a une reconnaissance qui a 43, hein, c'est pas ouf. Là, lui il a dégagé. Milice, toi tu viens en haut. Toi le buggy, tu reviens dans le coin. Voilà, il nous faut de l'info. On avance gentiment. Je sais pas si on va mener le combat chez eux encore. Je pense pas que ce soit une bonne idée. On a une construction. Une construction. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que là-dessus, on est stable. Ok, donc je viens de regarder, il faudrait que j'appelle le gouverneur. La gouverneure. Zone order. Il nous faut. Max recrute per turn. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est worker salary. On va augmenter un peu la thune qu'on donne aux recrues. On va se permettre de mettre à. On va se mettre à 1005. C'est beaucoup, mais on va voir si on arrive à tenir ça. Ça me paraît bien. Est-ce qu'on a besoin de colonistes? Je pense pas. Non, je pense pas. On va faire ça. Coppertop, j'aime pas le nom de la ville, on va le changer. On va peut-être pas le changer. Je vous mets en pause et je vous dis ça. J'étais pas sûr de moi, mais c'est bien ça. On va l'appeler Inverness. Véritable capitale hein, des Highlands de l'Écosse. On est bon. On a augmenté le bonus pour les recrues, pour leur donner envie. 1005. Aesthetic change. Inverness. Ok, on confirme les ordres. On verra si ça nous a permis de regagner un peu par là. Ça serait bien qu'on arrive à trouver un dépôt de métal pour augmenter notre production de métal et qu'on puisse facilement créer des armées. Qu'on aille submerger les voisins. Oh, ça se barre, c'est bien, on va pouvoir avancer notre ligne de front, simplement. Une fois que ça sera fait, on verra comment on gère ça. On va essayer de les faire reculer, là. Il y en a quelques-uns qui font blocus, mais c'est pas vilain. Oh. Ok, on a toujours les research points en bonus. On gagne State Company. Eh, hey, on a découvert les... la enviro-suite, la combinaison environnementale. On voit une combi matelassée. Anima Priest. On est au numéro 3. Toi, tu restes par là. Toi, tu viens ici. Toi, tu descends là. Toi, tu descends ici. On a que 69 de recoin, mais on a un gros bonus pour nous. À l'attaque. On n'a toujours pas de bonus hein, qui vient de notre commandante. Oh, on s'est fait pourrir là. C'est pas bon ça.
C'est pas bon du tout. Ok, donc là, Rich Scavenging Aera, plus 25% de modifier. Donc on a les productions qui sont boostées, parce que notre gouverneur fait le taf. Ça, c'est bien. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh putain. C'est là. Là, on est bon. On va essayer de récupérer la ligne ici pour simplement avoir les ressources qui nous suivent. Non. C'est le move qui m'intéresse. Putain, c'est vrai que celle-là, je l'ai laissé là tout du long. On a une grosse recoin ici. Alors, décision, qu'est-ce qu'on a? Des free folk qui veulent nous rejoindre. 4-4.3. Voilà, hein. C'est qui ça? Kélu. Major régime. Ok. Non, vous allez juste vous replier, les gars. Gentiment. Sunbeam, on va pas pouvoir le conserver. C'est trop loin, ça, par contre. On va essayer de regagner ça tranquillou. Et ça, c'est des fruits. Artificial Rifleman, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une invitation à dîner, on va accepter. Ils nous ont volé 17 crédits, ces enfoirés. Hein. Il va falloir qu'on commence à gérer avec lui. Dans un profond tunnel en dessous, Inverness, on a trouvé Pristine Intact Corridor of Pre-Cataclysmic Facility. Ok. On va peut-être étudier la situation d'abord. L'avérage est à 125, on a bonus à 138. Ça me plaît bien d'augmenter ma relation avec elle. C'est vrai que je préférais l'étudier. Si on arrive à faire le GD, ça pourrait être cool, mais Science Roll n'est pas très fort. Hein. On se le tente. Ouais, on a loupé. It seems to be safe. Allez, on les aide. Les free folk. Là, on va leur dire non. Non, je vais pas pouvoir, je vais pas y arriver, je suis désolé. Zone décision. Minor worker strike, ok, il y a quelques émeutes. Quoi, qu'on appelle ça, les strikes, c'est les... dans la rue, là, avec les slogans un peu pétés, des banderoles, tout ça. Des manifestations, merci. Les slogans un peu pétés. Mais oui, c'est ça, c'est oh, pas content, attention, prépare tes fesses, on arrive. C'est ce genre de truc et au final, ça change pas forcément grand chose. À quoi? C'est vrai, quand tu regardes, on est un des pays au monde avec le plus de manifestations, pourtant la situation elle évolue pas forcément dans le bon sens. Rien que ça, d'un point de vue statistique, ça nous montre bien l'efficacité de ça. Alors, utiliser les militaires pour faire ça, ouais, on va éviter. On va augmenter notre démocratie, par contre, on va leur donner un peu de thunes, on en a.
Et ça nous permet d'éviter d'avoir plus de troubles à l'ordre public. Allez, on va accepter l'invitation. On va aller causer avec lui. Ça, on ne pourra pas le sauver, c'est sûr. Donc, je fais une croix dessus. On a 1800 en thunes. Ça, c'est honnête, hein. 1800 en thunes. À 7. Donc là, on a payé tout ce qu'on devait payer pour la construction. Ça, c'est cool. On sera à s'inquiéter. On essaiera de se booster un peu ce qu'on a besoin quand on tombera en dessous. On a que 500 recrues qui viennent. On a 1000 maximum à 1500. Heureusement que j'ai mis un bonus. Il faudrait que j'augmente le bonus, à mon avis, si je veux qu'il y en ait plus qui nous rejoignent. Est-ce qu'on a besoin de replacer? Non, on a ce qu'il faut pour le remplacement. ça prépassait. Non, je prendrai les attaques que quand elles sont au-dessus de 5. Surtout que là, c'est ma commandante, j'ai pas envie qu'elle claque de suite. Bon allez, on continue. Normalement, on devrait être capable de tenir notre promesse qu'on a fait à notre parti politique. Parce qu'on va augmenter l'infrastructure de notre QG. Alors si vous arrachez les cheveux sur ma façon de gérer, n'hésitez pas à me donner des conseils. Il n'y a pas de souci, je suis preneur. Et pour le pack graphique, je vous invite à aller voir Pimous. Vous pouvez récompenser pour ses efforts avec un petit billet. Ça serait une bonne idée pour qu'il continue de bosser sur ce genre de choses parce que ça améliore grandement les graphismes et ça fait vraiment plaisir. Ok, on a fini l'hôpital. Solar Energy. Ouh, c'est bon ça. Ouh, ça c'est bon ça aussi. Automatic Rifle. Recrute Junior, ça c'est bien. Proposer la paix. Zoo Project, on va le faire. Ça augmente la qualité de vie. Ouais, on a une unité avec l'eau supply, on connaît. J'aurais dû aller le plus en haut, mais c'est pas grave. Ça, c'est fait. Là, c'est peut-être falloir que je mette une unité là-haut pour tenir, en fait. On a de l'eau ici. Ça, c'est bien. Un peu loin, mais on a de l'eau. Donc là, on sait exactement à quoi s'attendre. Ouais, quasiment. On n'est pas ready. On a des problèmes de morale. C'est ça qu'ils m'ont dit. On a des problèmes de morale. On est toléré. Soldier support moins 5. External mailing unrest. On a beaucoup d'unrest? Non. On a 5. Ah ok, plus 4 à cause du crime level. Putain, c'est chaud à gérer ça. Incident à la librairie. C'est notre commandant qui s'est arrivé. Et lui va se mettre à nous détester. On va faire ça, on n'a qu'un petit bonus, mais on n'aura qu'un petit malus, on a quand même un peu d'unrest. Solar Energy. On va continuer la recherche de ça, après on fera les automatic rifles. Ouais, protestation à Hiverne. C'est ouf. 87, on a une chance sur deux de réussir le jet de dés. Ça peut être pas mal. Ils organisent une manifestation et ils ont envie de qu'on y aille pour y parler un petit peu. On gagne un peu de heurts, c'est pas gênant, on gagne surtout de la démocratie.
Et ça va aider la population à être un peu plus contente. On va augmenter le salaire des soldats aussi. On va rien faire. Méritocratie. On a un mec qui est sorti du lot, qui nous a montré des grosses capacités. Soit on en fait un expert en clé mort, soit on en fait un expert en intelligence. Et il viendra donner ses compétences à la nation. La méritocratie, hein, c'est important. Chez nous. On va se tenter. J'ai pas envie de dépenser autant d'argent. On va plutôt tenter le. GD. Oh merde. 30% en plus. On a augmenté la relation, on a la méritocratie qui augmente. Moins 15. On est à 70. Bon, ça va devenir plus compliqué là. Il a 59. On est toujours en bonus, donc il nous donnera toujours des bonus. Au-dessus de 50, il nous donne des bonus, mais bon. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est de voir. Toi, est-ce que tu t'es amélioré un peu? Ouais, un peu. Il commence en science, il commence à faire quelques GD, en invention aussi. Yes. Et elle, notre gouverneur, s'est pas amélioré spécialement. Elle a encore augmenté ses niveaux de briberie de Streetwise. Tu veux pas augmenter autre chose? Bon, c'est pas. Elle nous apprécie, on a des productions augmentées quand même. Ça se fait, ça se fait. 131. 150. 133. C'est vrai qu'elle est nulle en Streetwise, elle. On va pas augmenter le danger pour l'instant, je pense qu'on le gérera pas super bien. On va faire le projet du zoo. Donc on a mis un zoo à Hiverne, ça va augmenter la qualité de vie ici. Normalement le zoo ça augmente en éducation, non? Ça augmente la loyauté et qualité de vie en éducation et on peut l'augmenter quand même pas mal. On va essayer de compter là-dessus. Barbarique. Donc. Ok, donc il faut que la qualité de vie soit au niveau du niveau de civilisation. Bah, ça tombe bien, on est à zéro, donc ça tombe plutôt bien. La limite haute de la qualité de vie de la zone, c'est la moyenne plus le plus faible divisé par 2. Oh, la moyenne, on est à 11 divisé par 2, 6. Donc 6 plus 1, 12 divisé par 2, 6. La limite haute qu'on a en qualité de vie dans le coin est la 6. Donc il faut que je fasse attention de ne pas avoir des trucs trop faibles. Ça peut être bien. Alors. Donc ça augmente plus 1 grâce aux produits luxueux et aux services. Happiness plus 3. Increase plus. Donc on a plus 5 en happiness. Unrest et danger. Moins 3 et 4. Le plus 35 qui nous met mal, hein. Je pense qu'on va essayer de remettre une troupe là-dedans. Il faut qu'on parle. Non, les salaires. Attends. Les salaires, c'est mon secrétaire. Thank you.
Vous augmentez. On va augmenter ça. Plus 29 points. Ouais, là, normalement, le moral va remonter. Ça nous permet d'être ready. On va pouvoir remonter à l'assaut plus facilement. Ça, on va voir comment ça évolue. Est-ce que la construction continue? Ouais, on a tout ce qu'il nous faut. Allez, on est au tour combien? On est jusqu'au tour 16 pour tenir notre promesse. Bon, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Je vous dirai à bientôt pour la suite de nos aventures sur Shadow Empire. On va essayer de continuer de mener l'assaut. Protéger nos frontières et de ne pas se faire trop déborder, ça serait bien. Hercule, gentiment. Et on va essayer de diminuer les troubles qu'il y a en ville. On va y mettre une unité de milice en permanence. Ça devrait nous aider à gérer ça. Allez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, à bientôt tout le monde. Et bye bye.